Francis Lopez, vous êtes entraîneur Je suis entraîneur des féminines et je suis devenu président cette année. Du club des Portugais Terrasson, oui, tout à fait. Qui ont deux équipes en compétition. C'est ça, une équipe masculine en 3e division district et une équipe féminine qui joue à 8. Je crois que la saison a bien démarré. Oui, et les féminines ont leur premier match, ont gagné 4-0 et les garçons ont fait une victoire et un match nul à l'extérieur. Donc la saison est très bien démarrée pour les deux équipes. Ouais. Est-ce qu'il reste de la place pour venir se joindre à vous? Oui, bien sûr. Au niveau des masculins, je pense qu'ils ont peut-être assez de monde. Mais au niveau des féminines, s'il y a la possibilité d'avoir des filles qui veulent venir jouer avec nous, il n'y a pas de souci, avec plaisir. À partir de 16 ans, je crois. Les filles à 15 ans, puisque c'est U16, à partir de 15 ans, oui. À partir de 15 ans, elles peuvent venir jouer avec nous, oui, tout à fait. Les entraînements ont lieu quand? Alors les entraînements, c'est le mercredi et le vendredi à partir de 20h. Et les matchs, samedi, dimanche? Les matchs, ce sera le dimanche principalement. Sur votre terrain au stade annexe, en face du primaire, à Terrasson, tout à fait. Oui. Le club se porte bien, hein? Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Hein. Des animations tout le long de l'année aussi? On a juste notre tournoi qu'on fait régulièrement en fin d'année au mois de juin. Et on peut venir vous encourager dès qu'il y a des matchs? Ah oui, pas de souci, au contraire, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. De rien, merci à vous.